comment j'ai trouvé mon appart. Je prends plus souvent l'escalier en descendant qu'en montant. Très très cosy quoi. Un super grand miroir, tous mes produits de skincare. Bref, je vais arrêter de parler du prix parce que sinon je vais pleurer. Oula, il y a trop de soleil là. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin le room tour ou le house tour ou appartement tour, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc je vais vous montrer où j'habite. Donc là bon c'est ma chambre, en vrai vous avez déjà un peu tout vu puisque j'ai déjà fait des vidéos dedans. Donc en gros là je suis dans une coloc où on est 5 chambres, 6 personnes, parce qu'il y a une chambre où il y a 2 personnes dedans. Franchement c'est beaucoup, surtout qu'on a un frigo pour tout le monde, une salle de bain pour 5, parce qu'il y a une meuf qui a une salle de bain privée mais tout le reste on partage. Donc c'est un peu galère, surtout que les toilettes sont dans la salle de bain, donc si quelqu'un se douche tu ne peux pas faire pipi. J'ai déjà été en retard au travail parce que je ne pouvais pas me laver les dents parce que quelqu'un était dans la salle de bain. Bref, je vais vous montrer tout ça et je vous expliquerai comment j'ai trouvé mon appart, l'expérience que j'ai en général avec le logement à Londres parce que c'est du coup la deuxième chambre que je loue, et je vous expliquerai le process de comment faire pour trouver une chambre à Londres. Ok, alors là on est dans l'entrée de mon immeuble, je vous montre. Là on a un miroir où il y a tous les colis, je me dépêche de les prendre pour pas qu'on me les vole. Ensuite là il y a un énorme miroir, mais en fait je sais pas si c'est sombre ou si la couleur, mais tout est super vieux, enfin, on dirait que j'ai un filtre genre sépia. Là ensuite il y a l'escalier et l'ascenseur. Pour être 100% honnête je prends plus souvent l'escalier en descendant qu'en montant. Là je vais prendre l'ascenseur pour vous montrer l'ascenseur, même si vous l'avez déjà vu. Voilà, on se rend pas compte mais il est minuscule. Quand je vous dis minuscule c'est que enfin, là vraiment, voilà. Très très cosy quoi. Si t'es avec un voisin, vous faites connaissance direct parce que là, pas d'intimité. Juste là, on a ma chambre que je vous montrerai après. Et en face, on a la salle de bain avec une douche, rien de plus normal. Les toilettes, les lavabos. Hop! Là je laisse juste ma brosse à dents et mon dentifrice. Tout le reste c'est dans ma chambre. Un petit porte-serviette qui vient de me rendre compte est chaud, mais je pensais qu'on n'avait pas le chauffage, donc je sais pas ce qui se passe. Et ensuite ici on a la pièce où il y a la machine à laver et le sèche-linge. Voilà. Ensuite là on a le salon que littéralement personne, mais vraiment personne n'utilise. Je vais tester le canapé pour la première fois. Bon, c'est pas mal. Mais enfin, regardez la pièce quoi. Il y a rien, c'est trop bizarre. Je me vois pas trop me poser dans ce canapé alors que j'ai un lit et qu'il y a rien dans cette pièce. Je pense que t'invites des gens, mais il y a même pas de table. Enfin... Ensuite, là on revient dans l'entrée. Il y a une petite table ici, on sait pas trop à quoi elle sert. Là, il y a une chambre. Une chambre. Une chambre, une chambre. Et là, c'est la cuisine. Ça a été nettoyé ce matin, mais c'est déjà le bordel. Mais bon, c'est mieux qu'avant. Bien mieux qu'avant. Bon, là, il y a plein de placards, mais on n'utilise pas trop. Et là, il y a le frigo. Hop. Pour 6 personnes, c'est l'horreur. Moi, ça, c'est mon étage. En plus, j'ai des trucs là. Et voilà. Ensuite, là, il y a la plaque. Et ensuite moi j'ai des trucs ici. Tout ça c'est à moi. On a un micro-ondes. Là j'ai mon air fryer que je viens d'acheter sur Amazon. Franchement je l'ai testé, c'est trop pratique. Ici il y a un congélateur. On a deux congélateurs. Moi j'ai juste quelques fruits là. Deux fours, donc ça c'est trop bien. Et moi j'ai aussi des petits trucs ici. Bon, je vous montre ma chambre. Du coup, voilà à quoi ça ressemble quand tu rentres. Franchement, avec cette fenêtre, c'est grave lumineux parce que c'est exposé sud-ouest. Donc, c'est assez cool. Ici, j'ai un super grand miroir. En général, je le déplace un peu par là quand je me maquille pour avoir de la lumière. Une petite lumière, pas mal le soir. Très cosy. Ensuite, là, j'ai mon linge sale. C'est passionnant. Des fournitures de bureau, des petits carnets, et là c'est genre du bazar. Tout ce que je sais pas où mettre, je le fous là. Là j'ai un truc pour mettre l'ordinateur, mais en vrai je m'en sers pas trop. Du coup là j'ai mon ordinateur,
avec une petite vue sympa. Logiquement là-bas c'est censé être le coucher de soleil, mais en vrai il fait toujours moche donc on voit rien. Là j'ai mon étendoir, c'est le seul endroit où j'ai réussi à le caler parce qu'il est super grand. Et d'autres tiroirs. Ici j'ai tout ce qui est ma caméra, mon chargeur, mon trépied, tout ce qui est lié à ma caméra. Là j'ai tout ce qui est câble, donc là j'ai des câbles. Là j'ai d'autres câbles, ma batterie portable. Et enfin là c'est tout ce qui est documents importants. Ici on va avoir l'endroit où je mets tous mes loisirs créatifs. Là on a mes tableaux, le truc de pyrographie. Ça c'est mes peintures. Ça c'est la peinture pour faire sur verre. Kit de bougies, kit de poterie. Les chevalets, ça c'est des peintures que j'ai pas finies. Et mes petits pinceaux. Et ensuite, là je m'éloigne un peu pour vous montrer. Là on a un grand placard. Enfin tout ce placard c'est le même en fait. J'ai vraiment beaucoup beaucoup de place pour les rangements. Bon ça on s'en fout, là j'ai mon sac à dos. Ça c'est des vêtements que j'ai déjà portés mais que je lave pas, on dirait une crasseuse. Bah les pantalons par exemple je les mets deux fois. Ça je l'ai mis même pas une heure ce matin. Mes tenues de sport, on voit pas mais c'est grave profond. Genre là il y a d'autres tenues de sport derrière. Là j'ai mes jupes et mes shorts. J'ai bien trié hein, j'ai pas ramené grand chose. Là on a mes culottes, mes chaussettes, chemise de nuit. Et là on a les maillots de bain. Et là on a tout ce qui est gants, chapeaux, ceinture, enfin accessoires quoi, lunettes. De l'autre côté on a, ça c'est du bordel, la poubelle. Là on a tout ce qui est trépied et lumière pour les vidéos. Ensuite ici on a des shorts, mais genre des shorts pour rester à la maison. Des sweats, mes pulls, mes t-shirts à manches longues. Des petits tops. Là on a mes tops de soirée et mes t-shirts. Des robes et mes sacs à main. Franchement regardez, je vous montre avec du recul mais c'est vraiment énorme. Là on a mon lit, lit de place donc trop trop bien, avec d'autres rangements au dessus. Ici on va avoir des produits ménagers. Pour l'instant j'ai pas grand chose, je vous avoue, faut que j'en achète. Et de l'autre côté c'est les trucs que j'utilise pas. Il y a une couette en plus, un oreiller qui était là avant que bah, c'est pas le mien donc je vais pas l'utiliser. Ce porte-manteau qui rentre pas sur la porte. Et des cintres que j'utilise pas. Et ensuite ici j'ai encore un énorme placard. Bon là il y a ma serviette, je voulais l'enlever pour la vidéo sauf que la vérité c'est que je me douche tous les jours donc je la mets asséchée là tous les jours donc elle reste vraiment là tout le temps. Et du coup voilà, ça c'est trop bien. Plein de place pour pendre mes vêtements. Donc en gros, en bas j'ai mes chaussures et là bah, je vais avoir des robes, des blazers, des pantalons, mes manteaux et en fait ça continue un peu là. Enfin il y a de la place vraiment, c'est trop bien. Et en plus c'est vachement solide comparé à là où j'habitais avant où ça se cassait la gueule. En haut j'ai mis mes valises et des trucs de rechange genre literie, serviette et tout et tout. Et là j'ai un miroir, bon je l'utilise pas trop en vrai de vrai parce que quand je suis là bah ça cache la lumière donc c'est hyper sombre. Mais c'est quand même cool. Ensuite ici on a un autre miroir avec en haut encore des placards. Vous avez vu comment j'ai plein de placards, c'est trop 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 bien. Ici on va avoir des trucs pour la cuisine que j'utilise pas souvent. Donc là on a un mixeur, un truc pour faire des sushis. Là dedans je sais plus trop ce qu'il y a. Des trucs pour les cocktails, des tasses et tout. Des livres que j'utilise pas trop souvent non plus pour être honnête. Et là dedans j'ai tous mes magnettes. Parce que en gros je suis un peu une folle des magnettes. Dès que je vais quelque part j'en achète un. Et en fait comme j'en offre souvent à mes potes, ils m'en ramènent aussi donc j'en ai vraiment des milliers. Sauf que je n'ai pas de frigo, enfin j'ai un frigo mais déjà je le partage avec 5 personnes. Donc je vais pas mettre 40 magnettes dessus. Et en plus il est en bois donc j'ai vraiment nulle part où les mettre. Et je sais pas quoi faire de ces magnettes parce que bah je les aime trop. Mais voilà j'ai nulle part où les mettre. Du coup ils sont dans une pauvre sacoche, tout triste. Ensuite j'ai la machinerie mais je pense que je vais pas tarder à la mettre dans la cuisine parce qu'au début je voulais pas trop m'imposer quand je suis arrivée. Mais là ça y est, j'ai pris mes marques, j'en ai plus rien à faire. Ma serviette pour les cheveux, coton-tige. Là j'ai plein de masques à usage unique, vous savez, pour le visage, les yeux, les cheveux, enfin vraiment plein de trucs. Ensuite là j'ai une petite boîte avec vraiment rien d'intéressant. Donc on a des bandeaux pour quand je me maquille, des réserves de produits. Ça c'est un truc pour se nettoyer le visage mais en fait j'utilise pas trop. Ça c'est un produit que j'ai reçu avec ma commande Typologie en cadeau. Mais c'est une crème pour le visage et j'en ai déjà une. Et ensuite ici, aïe, on a tout ce qui est produit pour la douche parce qu'en fait je les laisse pas dans la salle de bain sinon c'est trop le bordel. Ça c'est mes shampoings, déo, enfin vraiment les produits que j'utilise tous les jours quoi. Voilà pour ce placard. Et ensuite, là on a encore un petit bureau que j'utilise pas parce qu'il n'y a pas de chaise. Ici j'ai tout ce qui va être mes produits pour les cheveux, donc mes lisseurs, pinces, cire, barrettes, etc. Ici c'est cassé donc j'utilise pas. Et là j'ai un peu de tout. J'ai des médicaments, trousse de secours. C'est un peu mon tiroir pharmacie. Et ici, le tiroir que j'adore, c'est mon tiroir à maquillage. Comme vous pouvez voir j'ai pas grand chose. Et encore la moitié je viens de l'acheter. Là je vais avoir mes trois palettes. Bronzer, blush, nouveau blush. Des pinceaux, highlighter, bébé crème, mascara. Produits pour les lèvres, pinceaux pour les yeux. Les produits pour les sourcils, visage. Enfin bref vous avez capté.
Et là du coup le miroir comme je vous avais dit. Là j'ai accroché ces petits trucs pour pendre genre des clés parapluie parce que je savais pas où les mettre. De ce côté là j'ai des petites décos que j'ai récupérées de mon ancien appart, donc les bougies. Ça c'est des trucs que j'avais fait en poterie et ça je l'avais acheté pour mettre mes bijoux. Franchement c'est trop pratique. Et de ce côté c'est vraiment la nouveauté. Bon j'ai mes parfums et ce stand, mais vraiment je me sens trop hype. Comme une instagrammeuse avec ce truc. Mais il y a tous mes produits de skincare. Je sais pas si ça marche, parce que j'ai une belle peau, dites-moi dans les commentaires. Franchement je pense que ma peau s'améliore. Et juste j'adore le rituel de faire ma petite skincare et tout. Enfin ma méga skincare là avec tous ces produits. Mais voilà. Bon je sais pas ce que vous pensez de ma chambre, franchement moi je l'adore. En fait j'aime bien le fait qu'il y ait énormément de rangement. Faut pas que je m'enflamme et que j'achète trop de trucs, parce que si je dois redéménager ça va être très galère. Les deux seuls trucs que j'aime pas, c'est les rideaux. Ils sont horribles, ils sont trop moches. Mais bon, ça c'est vraiment un détail. Le point négatif, je dirais, c'est la moquette. La moquette, c'est insupportable parce qu'en fait, il y a tout qui se met dedans. Enfin, en fait, à nettoyer, c'est trop chiant. Au début, je me suis dit, bah c'est pas grave, je passerai avec l'aspirateur souvent. Mais en fait, l'aspirateur qu'on a, il est nul. Donc, faut que j'y aille avec le petit embout pour toute la moquette. Donc, c'est trop chiant. Mais bon, si c'est que ça, franchement, ça va. Globalement, je suis assez contente. J'ai de la place. C'est spacieux, c'est lumineux, c'est cosy. Franchement, je m'y sens bien. Et en plus, j'ai de la chance parce que du coup, je suis vraiment dans l'entrée. Donc, je suis pas à côté de la cuisine. Et mes chambres sont pas collées aux autres chambres. Donc, il n'y a pas de problème de bruit. Là, à droite, j'ai l'entrée. Enfin l'escalier, et à gauche c'est le salon, derrière c'est le couloir, donc je suis trop bien. Et en plus je suis juste en face de la salle de bain, donc quand je vais aux toilettes, hop, trop simple. Je sais pas si je vous ai dit où je suis, mais en gros je suis à Swiss Cottage, c'est dans le nord de Londres, donc dans le quartier de Camden. Après vous dites pas que je suis à Camden, l'endroit que tout le monde s'imagine, non. Camden c'est tout un quartier et je suis à peu près à 20 minutes en bus, 20-30 minutes en bus de l'endroit que vous avez en tête quand vous pensez à Camden. Mais franchement c'est cool, je suis à 3 stations de métro de mon travail. Vraiment je mets 25 minutes maximum, c'est vraiment trop cool. Enfin, j'aurais vraiment aimé être toute seule dans mon appart et tout, mais là je vais vous dire combien je paye déjà et vous allez... Voilà. Du coup pour une chambre dans une colocation de 5 chambres, 6 personnes avec une salle de bain, un frigo, un seul frigo, je paye 823 livres plus les charges. Et en gros les charges je les paye pour 6 mois et en gros tu payes une semaine de loyer. Donc mon loyer il est à 190 par semaine, du coup je paye 190 livres pour 6 mois. En gros si je rajoute les charges, par mois je suis à 855 livres. C'est énorme. Je vous fais le calcul pour ceux qui n'ont pas la conversion, c'est 1010 euros, plus de 1000 euros pour une chambre en coloc. C'est trop grave, vraiment c'est trop grave. Bref. Je vais arrêter de parler du prix parce que sinon je vais pleurer. Et du coup la partie qui peut-être vous intéresse, c'est comment j'ai fait pour trouver. Alors, mon ancien appart que j'avais à Fulham, je l'avais trouvé sur Spare Room, donc qui est un site où il y a presque que des colocations. Il y a quelques apparts, hein, mais c'est beaucoup de colocations. Et là, c'était du bouche à oreille. En fait, j'ai un pote qui a trouvé une chambre un mois avant moi. Il est passé par l'ami d'une amie qui travaille dans une agence immobilière. Et du coup, il m'a donné le contact de cette personne. J'ai donné mes critères. Au début, j'avais dit studio pour 1000 livres, pas trop loin, en transport de telle ou telle station. Et elle m'a dit, mais en fait, madame, ça va pas être possible. Donc j'étais là, ok, du coup, colocation pour 800, parce que je fais pas 1000 pour une coloc quand même. Et elle m'a dit, c'est chaud. Et elle m'a trouvé cet endroit-là. Donc franchement, je suis très contente. Au début, j'étais vraiment dégoûtée. Mes premiers jours, j'étais en mode, qu'est-ce que je fous là? Et en fait, maintenant que tout est bien rangé, que tout est nettoyé, que j'ai aménagé, franchement, je suis grave bien. En plus, au début, je voyais pas les colos, donc pendant peut-être 4-5 jours, j'avais rencontré personne. C'était trop chelou comme ambiance. Et je sais pas, je me suis dit, mais ça se trouve, tout le monde s'en fout que ce soit dégueu. Et puis j'ai rencontré une fille qui vient d'arriver, qui m'a dit, mais faut qu'on nettoie. J'ai dit, oui, faut qu'on nettoie. Et après, d'autres gens, enfin bref, globalement, sur les 5 chambres, on est 4 chambres à être hyper accord. Mais il y a une chambre où il y a 2 filles qui partagent. On pense qu'officiellement, elles ont même pas le droit de partager. Elles parlent jamais, elles répondent pas par message. Et c'est un peu la galère avec elle. Mais bon, c'est les joies de la colocation à Londres. Globalement, j'ai l'impression que ces derniers jours, on est dans une évolution assez positive. Tout le monde participe sur le groupe pour essayer d'améliorer la vie dans cet appart. Donc je suis assez confiante. Bref, je m'égare. Je parle vraiment. Faut vraiment que j'arrête de parler dans ces vidéos parce que je raconte trop ma vie. Là, j'ai tout simplement contacté cette personne qui m'a trouvé l'appart. Après, du coup, il faut organiser une visite. Moi, j'étais en Asie, donc un peu compliqué de faire la visite. Donc j'ai envoyé quelqu'un que je connais pour faire la visite. Donc c'était visite un peu galère parce que c'était en FaceTime, je voyais pas grand chose. C'est mieux que rien, c'est plus, en fait la visite c'est plus pour vérifier que c'est pas une arnaque, déjà que ça existe vraiment, que ça ressemble aux photos à peu près, enfin bref. Et après ça il faut payer. Je sais pas si vous avez déjà essayé de louer un appart en France. Moi j'avais eu un appart à Paris pendant un an et mission impossible, alors que moi j'avais mes parents qui se portaient garant. Donc j'imagine même pas des gens qui sont des gens de mon âge qui ont pas de, enfin bref. Vous savez, à Londres, c'est pas pareil. C'est très simple. Et encore plus si c'est pour une coloc, parce que là, pour le coup, ça,
Tu changes de coloc comme tu changes de chaussettes, donc c'est super simple. Les apparts, je suppose qu'ils te demandent un peu plus, mais tout se fait très très rapidement et ça c'est trop bien. J'ai envoyé une photocopie de mon passeport, mon contrat de travail pour prouver que j'ai bien un revenu, et ils m'ont demandé mes relevés de compte sur les 3 derniers mois. Globalement, c'est quand même pas très compliqué. Un truc qu'ils peuvent aussi te demander, moi j'ai eu de la chance qu'ils me le demandent pas, c'est une référence. La référence, ça peut être de travail, donc en plus de ton contrat, demander confirmation à ton employé par exemple, et une référence de ton ancien propriétaire. Moi je vous explique pas, mais j'ai eu des grosses galères avec là où j'habitais avant. Le propriétaire est décédé, du coup il n'y avait plus de compte en banque pour payer pendant des mois. On a payé à la fin, mais enfin bref, c'était hyper compliqué. Pas de notre faute, c'était pas qu'on voulait pas payer, rien à voir, mais c'était vraiment n'importe quoi. Et du coup, impossible de demander une référence, donc heureusement ils m'ont pas demandé ça. Donc globalement, ils sont pas très très regardants, faut juste que t'aies les moyens de payer en fait. La visite de l'appart, elle s'est faite, quand est-ce qu'elle s'est faite? Le 20 mai. Et j'ai payé à partir du 28, donc j'ai eu un peu de chance entre guillemets, parce que normalement ils te demandent de payer et d'emménager tout de suite. C'est le premier arrivé, le premier servi, le premier qui paye, le premier qui a la chambre. Des fois, il y a des chambres où c'est dispo à partir de telle date parce que quelqu'un y habite encore, mais dans mon cas, il n'y avait personne dans la chambre. Donc si quelqu'un dit « ouais, moi je le veux dès demain », alors que moi je le veux la semaine prochaine, à tout moment, il me passe devant. Donc j'avais négocié pour payer à partir du 3 juin, puisque c'est quand je rentre à Londres, mais ils m'ont dit non. Le max que j'ai pu négocier, c'était 28 mai. Donc 8 jours après ma visite, donc ça reste assez correct. Des fois, c'est plus rapide que ça. Et du coup, j'ai signé tous les documents en ligne. J'ai envoyé l'argent en ligne, mais alors attention à ça, il y a beaucoup d'arnaques à Londres. Moi, je sais que du coup, j'ai quelqu'un qui a visité, donc déjà l'endroit existe. J'ai pas envoyé l'argent à des inconnus, puisque j'ai un pote qui est passé par cette même agence et qui a sa chambre, etc. Donc je savais que c'était quand même quelque chose de confiance, même si c'est une agence de merde, hein, je vais vous le dire. Mais bref, en tout cas, c'est pas, t'envoies pas de l'argent n'importe où. J'ai pas envoyé d'argent avant de signer un contrat, etc., etc., etc. Du coup, si vous cherchez, je vous conseille d'aller sur plusieurs sites. Alors, si vous cherchez un appart pour vous, un studio, je pense que je vous conseillerais Rightmove. Mais si vous voulez une coloc, je dirais déjà Spare Room, qui est pour moi la plus connue. Enfin celle que... Oula, il y a trop de soleil là. Ça va partir dans 2 minutes. Je vois plus rien. Oula. Bon, je finis la vidéo ici parce qu'il y a vraiment trop de soleil. Du coup, je disais que si vous cherchez un appart, je vous conseillerais Spare Room ou Gumtree. Et il y a vraiment plein d'offres, certaines meilleures que d'autres. Il y a aussi pas mal d'arnaques. Si vous voyez un truc, contactez direct parce que ça part très vite. Et c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Tu visites, tu signes, tu payes, tu prends ton appart. Le process est vraiment très très simple. Je vous conseille de pas vous y prendre trop en avance parce qu'en fait, ils vont sûrement vous demander de payer dès maintenant. Et vous vous retrouverez comme un con à payer un mois loyer où vous n'êtes pas dans l'appart. Pour une coloc, je pense que regarder 2 semaines avant, ça suffit. Pour les apparts, peut-être un mois, je dirais. Vous verrez dans les annonces s'il y a marqué disponible tout de suite ou disponible à telle date. Donc en vrai, vous pouvez toujours regarder en avance, hein. Mais il y a beaucoup d'annonces qui sont disponibles tout de suite, quoi. En vrai, il n'y a pas tellement d'informations. C'est vraiment simple. C'est pas comme en France où faut faire des dossiers de malade, avoir des garants, machin. Enfin, vraiment, c'est très simple. Pareil, tu payes un dépôt. En général, c'est un dépôt de 1 mois. C'est un dépôt qui est protégé. Donc, logiquement, tu es censé pouvoir le récupérer à la fin. C'est très, très simple de louer un appart à Londres. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez quelques questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous répondrai. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao! I want to